qui était mixte, c'est-à-dire il y avait une partie, partie maçonnerie et puis une partie en ossature bois, un peu comme le séchoir que vous avez derrière. Mais donc voilà, avec la maison de retraite, complètement remaniée, et, on voit ces belles enfilades de colonnes à l'intérieur qui sont du 19e en bois, qui vont disparaître en grande. Ouais. On peut traverser, on peut aller dans la cour des dames ou pas? Donc là c'est le futur auditorium. Donc on va retirer les enfilades de poteaux, on va garder les premières, puisque ce sera l'accès à l'auditorium, on va même les valoriser. Elles font partie des aménagements. Donc là, il y a un travail qui est en coordination avec l'entreprise de gros œuvres et donc l'INRAP pour justement chercher toujours essayer de comprendre l'histoire du site. Donc ici, c'est provisoirement une zone de stockage. Voilà, les entreprises, chaque entreprise a son petit nom où elle entrepose son matériel et puis à l'aide de la grue, on peut alimenter dans cette partie du champ. Vous voyez les sections, l'épaisseur, oui. Et donc elles ont dû être déposées parce que les études sanitaires de ces poutres n'ont pas été très bonnes. Et donc il était plus sage de les retirer et de faire de nouvelles poutres. Alors ce seront des poutres métalliques de forte section. Oui, parce que là... Voilà, qui seront habillées en bois. Voilà, ça on le fait beaucoup en MH. Voilà. Merci. Le prototype de la verrière de la cour. Ils sont plus grands.